Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay commenté sur la chaîne de Team avec la pêche, la patate et la banane. Et oui, aujourd'hui, enfin en ce moment, je suis un peu plus actif sur la chaîne de Team, tout simplement parce que je me dois en tant que leader quand même de parler un petit peu, que les abonnés puissent m'entendre, vous expliquer certaines choses. Donc aujourd'hui, on va se retrouver en domination sur la map Village avec un gameplay de Rajnicker. Donc un très beau gameplay, vous en doutez, comme il a l'habitude de nous le sortir. Alors Rajnicker, c'est qui? C'est un des slayers de la team Rage sur PlayStation, donc sur PlayStation 3, donc avec ses compagnons Poly, Gâcheroi. Il y a Sepkos qui joue souvent avec en tant que beatmaker, mais également qui est de plus en plus en tant que player sur la team. Vous avez aussi Catastrophe. J'aurais jamais dû commencer parce que du coup je vais devoir, en même temps que je regarde que je commente le gameplay, je vais devoir aller sur la chaîne de team pour regarder un petit peu qui je n'ai pas oublié. Enfin non, de toute façon Rusty et plein d'autres, enfin voilà, je vais pas tous les citer, de toute façon ils m'excuseront, hein. Il y a bien sûr aussi Samus300, enfin de toute façon vous avez toute la petite liste sur la chaîne de Team, vous, forcément avec ma petite tête de chauve, avec toutes mes idées et mes souvenirs qui s'envolent parce que j'ai pas de cheveux pour les conserver, vous vous doutez bien que j'en ai oublié, forcément, voilà. Mais en tout cas voilà, un petit gameplay de Rajnicker et puis on va parler un petit peu de la chaîne de Team, de l'évolution de la Team, qu'est-ce qui se passe, comment que ça va. Donc c'est un gameplay, vous avez vu, là il est à la serre, il me semble qu'il a commencé à la K47, hein, si je ne me trompe pas. J'ai pas fait gaffe, mais je crois qu'il a ramassé la serre, je crois qu'il a commencé à la K47. De toute façon, vous l'avez vu vous-même, il a déjà débloqué son premier Predator, et je peux vous dire que cette partie va envoyer du poté. Voilà, donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Alors la team, elle se porte bien, ne vous inquiétez pas, parce que souvent on me demande, oh, on voit plus un tel. Alors par exemple, pour la team PlayStation, alors ça va, ils sont souvent ensemble, groupés, etc. Un peu plus souvent sur FIFA, parce que c'est une overdose générale de Call of pour la team, de toute façon. Xbox ou Play, surtout Modern Warfare 3, parce que c'est vrai que maintenant... je sais pas, ça a vachement changé, je trouve que ça joue vraiment mal en ce moment, dans le sens pute, voilà, enfin désolé pour le mot, le gros mot, je suis vraiment navré, mais bon voilà, je vois pas d'autre mot pour décrire ça. Et donc on a un petit peu du mal, et puis aussi le jeu, voilà, on a un peu parcouru en long, en large et en travers. Donc ça c'est, voilà, donc la team PlayStation s'est retrouvée un petit peu sur FIFA. Et de temps en temps, vous pouvez les retrouver sur les Call of, d'ailleurs, aussi souvent avec la MLP, hein, puisque la section PlayStation 3 de la Rage est pas mal avec la MLP, avec Joe Space, Yomax, ainsi que Lynx. Pour la section Xbox, c'est la même chose, hein, c'est qu'en gros, tout le monde en a marre. Et puis en plus, y en a qui ont eu des petits changements professionnels, par exemple, donc Azonix, où je suis plutôt content pour lui, a trouvé du travail, donc forcément, il n'est plus là la nuit. Poki est encore là, mais c'est vrai que par rapport à ses études, tout ça, il est pas forcément aux mêmes horaires que nous. Ed fait pas mal de scrim. Voilà. Push et moi, on se retrouve souvent en les deux vieux la nuit, comme ça, à jouer. Et Doggy, alors lui, il a carrément. Alors là, il est à l'hôpital parce qu'il nous a fait une réelle overdose de Call of Duty. Non, je plaisante, hein, bien sûr, il va bien, mais non, Doggy, pourtant, c'était un des plus calmes, enfin, c'est l'un des plus calmes, c'est celui qui rage le moins, mais là, c'est bon, je crois qu'il a saturé, il a craqué, il en peut plus de Call of, mais tout, Black Ops, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, il veut plus en entendre parler, vous le verrez sur tous les jeux qui existent, sauf sur les Call of, et on n'arrive plus à le refaire revenir. Alors, vous inquiétez pas, il reviendra. Il est déjà revenu une ou deux fois, mais voilà, il sature et moi je suis pas là pour forcer les gens. Même si on a une team, on attend Black Ops 2 et vous inquiétez pas qu'on va revenir sur Black Ops 2 en forme. On va vous faire péter les gameplays de ouf, de malade mental. Vous inquiétez pas, le zombie on va le saigner. Je pense qu'on va avoir des sections de la Rage qui vont faire pas mal de zombies pour vous sortir les secrets, du zombie surtout, voilà, du zombie. D'autres qui sont un peu plus axés multi qui vont vous sortir des gameplays de ouf. Donc vous inquiétez pas qu'on sera là, qu'on est présent, qu'on est... Voilà, on fait juste une petite pause. Enfin, on fait toujours des gameplays, hein. Vous avez vu, on sort toujours des top 5, etc. Mais voilà, on se calme un petit peu. Et puis voilà, il y a eu quelques changements d'emploi du temps de telle ou telle personne qui font que, eh bien, on ne peut plus forcément être aussi nombreux pour des lives ou autres. Voilà, parce qu'on sature un petit peu.
Et comme moi je le dis toujours, le but d'un jeu vidéo c'est quoi dedans? Il y a le mot jeu, et jeu c'est quoi? C'est s'amuser, c'est jouer, c'est se faire plaisir. Voilà. Alors, Rajniker et Thorlin. What the fuck? Ah d'accord, oui, alors là parce que j'étais en train de commenter le... Enfin je vois le gameplay de Rajniker et je vois en haut à droite Rajniker et Thorlin. Et je me suis dit, attendez, comment il fait? C'est un PGM le mec, il est en train de faire un score de ouf. Il débloque son 2 ou 3ème Reaper. Il est massacre mais il est hors ligne. Mec, il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques. Encore si c'était sur Xbox il se mettait hors ligne. Non mais en fait c'est tout simplement c'est parce que c'est moi qui rec le gameplay. Donc forcément, c'est moi qui vois que Rajniker est en train de se déconnecter. Voilà. Bon, un petit peu du mal, lui, Hypno. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment pour vous donner des nouvelles de la team. Parce que je pense qu'en tant que leader, bah, je vous le devais. Hein. Comme ça, vous savez un petit peu ce que ça donne. Par contre, si vous avez des idées un petit peu de ce qui vous ferait plaisir, là, on va peut-être essayer pour restimuler la team de refaire des défis, mais pas des défis compliqués. Dans le sens où, franchement, en ce moment, voilà... Il y a tellement de trous de balles qui jouent sur les Call of que c'est un peu chiant. Donc on va plus faire des défis genre on joue tous au Colt et on va essayer de gagner la domination. On joue tous au bouclier, on va essayer de gagner la domination. Est-ce que ça vous intéresse? Donc c'est pas des lives d'une heure, hein, c'est, on va tenter ça toute une soirée. Et dès qu'on a réussi au bouclier, hop, on garde le gameplay, on le commentera et on le mettra sur la chaîne du team. Après on essaye au Colt, hop, dès qu'on l'a réussi, moi je le commenterai et on le mettra sur la chaîne du team. Enfin voilà, des petits gameplays comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que des lives, on ne tient pas psychologiquement assez longtemps pour faire des lives de team de nouveau comme avant d'une heure de Modern Warfare 3 ou Black Ops parce qu'on craque. Bon, sur Black Ops, ça va encore. Sur MW2, moi j'aime bien, mais c'est bourré de lance-patates. Les autres, ils en peuvent pas, ils peuvent plus du tout. Moi, c'est mon coup de cœur, Modern Warfare 2, c'est pour ça que j'aime encore. Malgré les lance-patates qui me font rager, mais bon, voilà, c'est... Bref. Voilà, en tout cas, vous avez vu le gameplay hein, là de Nicker. Vous avez vu que là, il doit pas être très 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 loin de la MOAB. Vous avez vu également qu'il débloque. Alors, je ne sais pas c'est le combienième Predator. Hein, ne me demandez pas, j'en sais rien du tout. Vous avez vu qu'il a énormément joué la défense de C. Il est resté tout le temps au niveau de C entre C et B. Il s'est très peu aventuré des autres côtés et pour peu puisque il n'est pas encore mort. Il n'a pas fait la MOAB. Là, je pense qu'à ce moment-là, vous avez vu qu'il reste vraiment à la limite à camper. Parce que, bah voilà, il devait se dire, oh là là, je suis en train de sortir un putain de gameplay, ce serait con de le gâcher. Et moi, je vous le dis toujours, oui, effectivement, là, quand vous êtes comme ça, vous êtes fait tuer 0 fois, vous êtes tout près de la MOAB, mais n'allez pas rusher. Qu'est-ce que vous allez rusher? Vous allez faire quoi? Vous allez vous faire tuer par un campeur qui va vous tirer au RPG ou au SMO? Et vous allez rager, vous allez péter votre CD, votre manette? Non, faites-vous plaisir. Là, vous avez vu, au début, il les enchaînait. Là, il lève le pied parce que ben il a les pétoches, le niqueur. Il a les pétoches de se faire niquer, normal. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit un petit peu pour la chaîne de team hein, sur Black Ops, ce qui allait se passer, ce que les joueurs donnaient. Je pense vraiment, avoir fait le tour. On ne recrute pas, je sais que de temps en temps on demande encore, on ne recrute pas, on ne recrute plus. De toute façon, si on devait recruter, ben ça sera dit dans une vidéo, hein, comme je le fais toujours. Donc si rien n'est dit, c'est qu'il n'y a rien. Une autre chose aussi, je sais que j'en ai parlé sur ma chaîne, je le dis sur la chaîne de Team. Encore un Reaper, au passage. Sachez que YouTube bug en ce moment, mais bug un truc de malade. C'est vraiment un truc de ouf. Là, au passage, enfin, la MOAB. Donc là, il était plutôt content. Il envoie sa petite MOAB. Il continue son petit gameplay. Et il va pouvoir envoyer son Reaper juste après la MOAB. Donc oui, voilà, je vous disais que je ne sais plus, je viens d'oublier. J'aurais dû continuer sur mon sujet parce que là, je suis perdu. Je vous disais quoi? Les bugs YouTube, voilà. Donc vous avez vu qu'en ce moment ça bug. Alors il y en a qui disent qu'il faut se désabonner, se réabonner. Vous pouvez essayer, qu'il faut cocher, décocher telle ou telle case. J'ai envie de vous dire, il n'y a qu'une seule chose à savoir. C'est que la Team Rage sort une vidéo normalement le dimanche, le mercredi et le vendredi. Le dimanche c'est du live. Le mardi ou le mercredi? What the fuck? Je sais plus. Bref. Ah si, vous le savez. J'ai complètement oublié l'emploi du temps. Je ne sais plus du tout.
Donc mardi ou mercredi, bref, il y a le gros score, le vendredi le top 5 et le dimanche le live. Donc sachez que si vous voyez pas ces vidéos, vous allez sur la chaîne de Tim. Il est possible qu'en ce moment, comme on a un peu plus la flemme, vu qu'on attend Black Ops 2 avec impatience, au passage Ryan Sneaker nous fait un perfect. Un 55 de ratio, 55-0 en compagnie de Seb Cost et puis bah voilà, de Joe Space, de la MLP comme vous voyez. Un petit coucou et un gros big up à eux parce que c'est vrai qu'on a tissé de gros liens avec eux et on s'entend super bien. Voilà, donc en tout cas, si vous voyez pas de vidéos sur la chaîne de Team, inquiétez-vous, allez voir, c'est le seul moyen de pallier le bug YouTube, c'est d'aller directement sur la chaîne de vos youtubeurs préférés. Là, en l'occurrence, de la Team Rage, pour voir si une nouvelle vidéo est sortie. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, moi, je vous dis, portez-vous bien. C'était Hypno. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.